Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 en multi, toujours avec Tiberians et Damned. Bonsoir Tiberians, bonsoir Damned. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On se retrouve donc pour, j'espère, un peu d'action, hein, parce que faut avouer que l'épisode dernier était un peu calme. Et oui, c'est des choses qui arrivent, on peut pas toujours être à l'assaut de choses et d'autres. Il faut attendre les opportunités quand elles arrivent. Alors, en décembre, je pourrais attaquer l'Angleterre, hein, ça pourrait être une opportunité intéressante. Écossais, toujours prêt. Non, Écossais, toujours en trêve, surtout. Ah, mais il peut m'inviter, peut-être, je pourrais. Non. Non. Pas sans briser la trêve. Bah, il me semblait, j'étais pas sûr, en cas d'allié. Je crois que, ouais, non, ça marche si lui m'attaque, mais... C'est ça, ça marchera seulement dans une guerre défensive. Je pense pas que dans une guerre offensive, tu puisses faire un coup comme ça, parce que ce serait abusé. Ouais, non, voilà, je peux pas appeler aux armes un allié qui a une trêve avec le pays visé. Ouais, voilà. Par contre, c'est dommage, parce que les états pontificaux ne viendraient pas, du coup. Bon, après, tu peux y aller, hein. Ouais, non, faut que je traverse et tout. Bah, c'est ça, quoi. Bah, enfin, faut que tu traverses. Bon. Pour aller chercher le bordelais, non, t'as pas besoin de traverser, quoi. Mais après, ouais, tu veux le bordelais? Je pourrais rentrer en guerre pour récupérer le bordelais Calais, mais... Tu veux pas unifier les deux Cornouailles? Ce serait classe, j'avoue. Mais si je fais ça, tu pourras pas former l'Angleterre, la Grande-Bretagne, Écosse. Non mais je veux pas le faire, hein. Tu rigoles. Je reste écossais jusqu'à la fin de la partie. Hein. Ou je meurs, mais je ne formerai jamais la Grande-Bretagne. Dark. Encore, on aurait pu appeler ça la Grande-Écosse. Je dis exactement pas. Grande Écosse, ouais. Les doctrines de Grande-Écosse. Ah ouais, non. Ça aurait eu de la gueule. Ah merde, j'ai perdu mon casus belli. Ah, t'as pas eu le casus belli sur Ophalia? Mais ouais, c'est pourri, putain. Grand classique, malheureusement, ça. Comme il y a une seule province, t'es obligé d'attendre qu'il tombe, et pour le refaire, c'est complètement con. Ouais. Mais de toute façon, Danemark, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi le Danemark a décidé de s'allier à cette petite crotte. Ah bah, je pense que c'est le meilleur move qu'Ophalie fera jamais de la partie. Hein. Ah bah oui, il y a que ça qui le maintient en vie, très clairement. C'est ça. Mais de toute façon, je pense que la Moscovie, elle va pas tarder à être un peu vénère, et puis attaquer la Suède, ça va le calmer, le Danois. Ouais, c'est vrai que ça peut venir. Ouais. Ça va le calmer très très vite. Bon, est-ce qu'on ferait pas notre premier canon, les gars? Enfin, c'est un mortier, c'est pas vraiment un canon, en fait, mais... C'est des armes à poudre, c'est déjà ça. Ouais, c'est vrai que je pourrais débarquer chez vous pour aller défoncer l'Angleterre, quoi. C'est quand même tentant, quoi. Le problème, c'est que retraverser sur Calais, à côté de Bordeaux, il y a deux forts, quoi. Retraverser derrière, c'est tentant. Bah, surtout si derrière, il y a des gens qui débarquent chez toi, tu veux plus revenir. Ouais. Ouais, non, faudrait que je fasse la guerre sur le continent, quoi. Merde, on s'est fait calculer. Bon. Bah, de toute façon, de notre côté, on y va dans 4 ans. Hein. Moi, je revendique le pays de Galles. Ah ouais, vas-y. Pour l'instant. Moi, j'ai pris Cornouailles et Devon, là, Dorset. De toute façon, j'appellerai tout le monde, hein. Ouais, je pense que de toute façon, mieux vaut qu'on fasse comme ça on aura un vrai score de guerre et... Triste nouvelle! Notre mariage avec l'Écosse. Ah non, c'est pas l'Écosse, c'est le mariage avec la Bretagne. C'est moi. Quelle tristesse. C'est une régence. Coût de construction, moins 10% la régence, ça va dire. 2-5-5, elle est très très bonne la reine. Bah moi, elle est pourrie. Hein. Une de Valois. T'es une de Valois, toi? Ouais, non, ouais. c'est la régence. C'est un de Dreux, mon vrai. D'accord. Non, elle est 0-2-5, quoi. C'est là qu'on va aller prendre une doctrine militaire, je pense. C'est bien, parfois, les doctrines militaires. Déjà que je suis en avance, là, en plus. Doctrine... Ok, je crois que les subsides, c'était pas les subsides, les réparations de guerre, c'est fini, je me fais plus un rond. C'est fini. Ah merde. On ne vivait qu'en faisant payer l'anglais. Moi ça va. Ouais, je vais quand même prendre les doctrines de qualité, je pense. Les mecs, c'est tout le monde doctrine de qualité. Ah bah moi c'est déjà fait.
offensive, ce serait intéressant pour protéger mon territoire contre... Acceptation croissante des pots de vin, -0.5, putain de corruption. Bah, je vais demander aux viewers, tiens, de toute façon je suis pas pressé pour la prendre, donc dites-moi quelle doctrine vous verriez prendre en deuxième. En sachant que de diplomatique il y avait tôt. Hein. Non, mais de toute façon, moi, mon roi c'est toujours le même depuis le début, il a 75 ans quoi. Il va pas partir lui hein. Ah oui, relation renforcée pour le catholicisme avec la France. C'est beau. Attends, la Savoie elle s'est fait défoncer. Ouais, la Savoie n'existe plus. Tiens, je vais essayer de... Bon, petite bande savoyarde. Je vais essayer de me mettre bien avec la France aussi au cas où. J'ai rien dit pour la France tout à l'heure. La Hongrie est en train de disparaître sous les coups des Ottomans, j'ai l'impression. Ah oui, effectivement. Tant pis, Venise est dans le mal aussi. Venise est un peu dans le mal. Partout, là. Pour l'instant, on voit pas le Nouveau Monde, malheureusement, et ça, c'est un petit peu triste. Ouais, j'essaye de... Enfin, là, je vais commencer à prendre les doctrines bientôt. Enfin, bientôt. Quand j'aurai les points, quoi. Oui, voilà, c'est pareil. Je vais essayer la vitesse 4. Ça se tente. Ah, l'anglais qui s'est allé à la Bourgogne, le ville. Bon, pour ce que ça va changer, franchement. Là au pire on emmène la France, hein. La Bourgogne elle sera très contente de taper dessus je pense. Ouais je pense que ça ne le sauvera pas. Par contre ça la fera plus puissante et du coup bah toi tu pourras moins t'étaler. Et bon. On est même pas sûr qu'il franchement... on est même pas sûr qu'il suivrait. Là, attends, et la France nous a permis d'éclater le Portugal, je pense que la Bourgogne... Ah mais c'est pas le problème, c'est juste que je voyais plutôt... Je voyais plutôt pour que tu puisses grossir un peu quoi. Au niveau score de guerre. Non, je m'en fous de ton score de guerre. Au niveau de tes provinces. La France, si la France était réduite, t'aurais plutôt grossir quoi. Mais là, si se grossit en plus sur la Bourgogne, en plus de la Savoie, bon c'est mort quoi. C'est ça que je voulais dire, il va devenir plus fort. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais après, on n'est pas obligé de lui filer des provinces à la France. Hein. Enfin, s'il ira peut-être tout seul, mais... Oui, c'est... Oui. Puissance des missionnaires, prestige annuel, ça serait presque lourd à prendre ce mec. Mais clairement, là, si je déclarais une guerre à l'Angleterre, ce que je ne vais bien sûr pas faire en trêve, les états pontificaux ne viennent pas, la Bourgogne ne vient pas. C'est parti. Il y a Liège qui vient, quoi. Ouh. Ouais, il y a Liège qui est bien motivé, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, il est chaud. Aucune idée. Mais ah aucune mais putain, idée. Merde, mon dirigeant est mort, du coup j'ai plus de général. Il me faut un général, les gars. Bon, moi je vais prendre les doctrines de qualité, du coup. Ce sera fait. Ouais. Oh, il est bien ce petit général là. Je peux pas faire mieux. Allez, 2 ans et on tombe sur l'anglais. 2. Période difficile, mais à qui je demande cette fois? Au Desmond. Non, c'est. Okay. Oula. Gérald, très peu pour moi. Ok. Pas ça. J'ai un problème avec le. J'ai un problème avec l'Écosse. Hein? Ah bon? Ouais, semblerait-il. Très bien, vous faites l'Écosse. Je suis pas au courant, mais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est pas ça? Non, mais c'est un event pourri qui nuit à nos relations, mais c'est tout quoi. Ah oui. Moi, je vais essayer d'améliorer ça, parce qu'après, en fait, si jamais elles descendent trop bas, on est un peu grillé. Ça peut casser les alliances et tout. Oh, le misclic, heureusement qu'il faut confirmer, j'avais cliqué sur envoyer une insulte à descendre. Mais heureusement, faut confirmer. Envoyer une insulte à qui? À toi? Oh, c'est pas grave ça. Hein. Non, mais bon, c'est un peu moche. Bouf. Tiens, l'héritier tombe malade. Ça peut être une bonne chose. C'est moi, la France est m'insulte, on est toujours à 200. Hein. Allez. Oh, il a survécu, sans payer quoi. Ah, c'est rare ça. Ah on y a cru. Allez. On va y arriver à la vitesse 4, ça va le faire. Non. Ça va passer. Ah non, ça va. Ah, triste histoire, bon. Je pourrais prendre des nouvelles technologies, ok. Nouvelles doctrines, exploration, voilà, les gars. Hein. Obligé. Hein. Qualité exploration, du coup, j'ai. Ah, on va avoir des condottières au prochain niveau. Galoguette réformée, parfait. Déclin de la puissance des nobles, bah, tant pis pour eux. Ouais, il faudrait vraiment qu'on reparte en guerre parce que là, sans le pognon des Anglais, je suis vraiment vraiment dans le mal. C'est la tristesse que les repas se soient arrêtés avant le... Ouais, avant qu'on puisse rattaquer, tu m'étonnes, ouais. Bon, moi ça y est, j'ai enfin refait mon armée.
16 000, pas mal. Perso, je pourrais monter à 13 000, mais... T'as pas les moyens. J'ai pas les moyens, c'est ça. J'ai complètement pas les moyens. Madame Ned est à la traîne, vous, chacun votre tour. Ah, c'est moi. Ah, oui, c'est toi, oui. Étonnant. Avec ta fibre. Excuse-moi, c'est ma fibre. Un peu de mal. T'as des problèmes de fibre, manifestement. La Grande-Bretagne m'a rivalisé. Tiens bon. En anglais. Ah oh. Ah, et en plus, ils mettent des pirates chez moi. Mais. Mais oui, mais fais donc ça, anglais. Ah, mais c'est moi le plus puissant dans le Bordelais, dis donc. 42%, c'est propre. Établissement, embellissement de Cork. Main-d'œuvre. Pognon. Bah, main-d'œuvre. Pognon à crever, bande de paysans, là, dans le bosquet. C'est ça, là. L'argent, on l'a pas. Alors, on a un casus belli contre l'anglais. Enfin, c'est pas comme si on en avait pas déjà avant. Donc, allié à Bourgogne, état pontife. Ouais. Mais l'état pontife, il a complètement disparu. Ah ouais, il s'est fait défoncer là. Défoncé par la République florentine. Impressionnant. Eh ouais. L'anglais lui a été d'aucun secours dans sa guerre, quoi. Bah, de toute façon, l'anglais est déjà au d'aucun secours dans ses propres guerres à lui. C'est ça. Ah non, mais c'est la misère. Hein. Il est allié à Gênes qui est décédé, Venise qui est en train de décéder, la Flandre qui sera rien. Il va crever, il est à pontificat, je pense, dans pas longtemps. Bon, par contre, je vais arrêter l'entraînement de l'armée, je vais me préparer à la guerre maintenant. Contre ? Bah, l'anglais ! Ah oui, on est en 96, c'est en février 97 qu'on lance l'assaut. Ah d'accord. Ah, déjà ouais. Bah ouais, déjà ouais. Il s'est endormi sur son clavier, Damned, c'est bon. Ah complètement là, c'est bon. Si je me fais réveiller tous les mois par le gling gling là, de l'argent qui tombe, je suis riche. Moi c'est pareil, je me fais réveiller tous les mois par le gling gling de l'argent qui part. Le gling gling de l'emprunt qui tombe. C'est ça. Non mais ça va. On est à 0,33 quand même par mois. Oui, les Normands qui veulent refaire leur malin, là. Ils vont prendre... Donc cette fois, on ferait le truc inverse, c'est-à-dire que nous, on déclarerait la guerre avec l'Angleterre, puis toi seulement après. Bah, où vous m'emmenez, hein, je pense. Voilà. On t'emmène. On n'a pas besoin de la France, là, je pense. Bah, ouais, après, c'est pour le Devon, quoi. L'anglais... Oh, putain. Oui. Oh, l'héritier. Il y a 10 000 hommes, l'anglais. Oh, c'est pas mal. Oh la vache. Mais pourquoi... Ouais, vous avez mis un singe, pas un mec, en fait. c'est ballot. 1-0-1, c'est la tristesse. En plus, je suis en régence, moi, donc je suis même pas sûr de pouvoir déclarer une guerre. Non, mais je vais emmener tout le monde. Je sais pas si je peux... comment je peux te rejoindre dès maintenant, ou on va me dire que je suis en exil. Waouh. En exil. Bah ouais, genre si je vais chez lui avant de déclarer une guerre, des fois on me dit « Ouais, t'es en exil, tu peux pas... » Ah ouais, bah non, vous avez un accès, je pense. Vous avez un accès réciproque, tous les deux. Ouais. Ah non, mais c'est 1-0-1, quoi. Non, mais c'est pas possible, en fait. Du coup, je range les bateaux, on est d'accord. Hein. Alors, je sais pas si je prends comme avantage d'air les impôts de guerre améliorés qui coûtent pas de points, ou... Les colonies plus développées pour quand j'aurai des colonies. J'ai pris les colonies, moi. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais bon, je vais prendre l'impôt de guerre. Ah, toujours le pognon. Bah, c'est que j'ai pas de colonies et j'ai des guerres à faire, donc... Du coup... L'un dans l'autre, quoi. Ouais, voilà. 5 églises et 5 ateliers pour cette mission, putain. Donc la trêve se termine... Bah, la trêve est terminée, d'ailleurs. On va complètement y aller, là. Alors... Je déclare la guerre, j'appelle la Castille, qui vient sans revendication particulière, la Bretagne et l'Écosse. Nous sommes en guerre contre la Bourgogne, les États pontificaux et Liège. Ça vous va? Ça me va. Non, il va falloir que je trace sur la bourre, en fait, sinon la Castille va sauter dessus. Ouais, et ça veut dire surtout que tu vas te prendre la Bretagne sans la France. Bon courage. La Bourgogne. La Bourgogne, oui. La Bourgogne. Oh, c'est combien la Bourgogne? On va jeter un oeil quand même. Parce... Ouais, bah jette un oeil quand même, ouais, c'est mieux. Technologie 8 quand même. La Bourgogne, c'est 9 000 hommes. Bon, un potentiel de 17, mais...
ça va. Elle a encore ses... Non, elle a que le Brabant avec elle. Non, même pas. Non, elle a rien elle du tout. Elle a la Hollande avec elle. La Hollande, ouais. Bon, allez, je déclare la guerre comme ça, vous êtes prêts? Ouais, vas-y. De toute façon, je vais descendre. Donc, j'appelle tout le monde. Le but, pour moi, ça va être prendre Gwynedd. Ouais, ok. Bah, moi, c'est de descendre, continuer à descendre, hein, de toute façon. Et puis, bah, c'est parti. Londres sera écossaise un jour. Accepté. Ah, puis il a plus... Merde, des bateaux! Encore! Ah, putain, ouais, merde. Pourtant, hein. Je sais, je sais, c'est moi qui suis con, putain. Allez au port! Au port! J'ai du mal avec les bateaux, j'avoue. Ah, mais là, j'avais oublié. T'en as même pas perdu. Putain, c'est systématique, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Alors, les 10 000 Anglais descendent vers chez moi, enfin, vers le sud de l'Angleterre. La Bourgogne se pointe. Ah, bah, du coup, je peux faire un impôt de guerre gratuit. Hop là. Ah, mais je perds des sous, mais quel honneur. Ah, parce que j'ai perdu encore. 0,9, ça suffit pas pour prendre un territoire. Bah, ouais, pas de bol, ils sont. Ils sont blessés. C'est ça. Bon, ça va, la Castille arrive avec 30 000 hommes là. Avec Aragon. Ah, oui, je pense que ça va bien se passer normalement. Il est arrivé avant moi au siège, malheureusement, donc je vais lui laisser. Faut faire gaffe hein, de pas se faire choper non plus quand même par des bêtises, mais je pense qu'on est normalement plutôt serein. Y a les bateaux de transport de l'anglais qui se baladent, non même pas. Y a plein de gens chez toi par contre, c'est quoi ce merdier? Ah ouais, bah c'est la Bourgogne et Liège, ouais. Bon, j'espère que tes forts sont solides. Oui. Ah, il y a 160. Oula! Grosse bataille prévue? Ah bah ouais, écoute. Hein. Je vais essayer de te rejoindre des fois que ça parte en couille. J'espère que non. Oh, facile! Oh, ouais, la percée du désespoir pour l'anglais là. C'est quoi Caen comme territoire? Ah, c'est la prairie, fait chier. Je confirme. Ils ont bien fait ça. Où est-ce qu'ils vont? Je sais pas, mais je leur saute dessus, moi. Ce serait bon. Autant. Ils ont un. Ah, par contre, on va pas sur les mêmes, mais bon, j'espère pour toi que ça devrait aller. Ils sont tirés. Je dis ça, c'est moi qui ai pris le malus, mais bon, ça va, je récupère derrière. Ils se sont tirés, mais. Ouais, je sais pas, bon, ils vont chez toi. Très bien, qu'ils fassent le siège, j'attends de voir. Ouais, voilà, je te laisse gérer. J'ai pas de point de siège, ça sert à rien que je m'emmerde en fait. Oui, ils sont 3000, ils risquent pas de faire grand chose. Hein. C'est pour ça que je les laisse faire, moi ça me va. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Putain, les cons. Ah, 0-0. Ouais, non, mais voilà, c'est le jeu de merde quoi. C'est le 0. On était plus nombreux et bon, ils se replient, tu sais, quand même, genre, oh là là, on a peur, hein, fuyons. Je vais les l'air de découverte va s'arrêter déjà. Ouais, c'est bon, je tente. Ouais, bah tu vas aller chaud. T'as raison, j'aurais pas dû prendre les colonies, ça me servira à rien. Bah ouais, du coup, voilà, ouais. J'avais pas vu que ça se terminait si vite. Et stack wipe. Bien joué. Ouais, je fais le siège sur Londres, hein, perso. Ouais, moi j'essaye d'empêcher les petites merdes de se regrouper là. Et ça, c'est bien. Bon, je vais aller aider la Castille à faire tomber ce siège là. Parce que... Elle viendra pas m'aider, donc elle pourra pas passer. Il a réussi à passer un canon, le Castillan, je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il va aller libérer Co avec un canon. Ah bah tiens, d'ailleurs, mon canon il participe pas à la guerre. Enfin, il participe pas au siège, c'est complètement con. Oui, j'ai pris un colon. Truc de fou. Mais tu peux. Tu sais même pas qu'un nouveau monde encore. Bah oui, mais je suis bien obligé si je veux prendre l'autre. Ouais, je sais, c'est un peu con parce que. Bah, parce que par contre, c'est un peu con. J'ai pas de canon donc je vais un petit peu galérer sur Londres. Hein. Ah, j'arrive avec deux canons et un mec qui a un en siège. Là, le siège il passe de moins 35 à moins 7 direct, ça fait plaisir. Je vais envoyer le fameux canon irlandais. Sur Londres. Sur Londres. Que même l'Écossais n'a pas, tu te rends compte? Bon, c'est bon, la Castille est partie taper sur la Bourgogne. Peut-être en faire un de canon quand même. C'est un peu c'est un mortier d'ailleurs, c'est pas un canon toujours. Oui, bon, hein. Permettra de ne point jouer sur les mots.
Eh, on est passé de 64% à 57%. Ouais, j'ai vu ça. Impressionnant. Ils sont chiants avec leurs 1000 hommes, là. Ouais, parce mais je vais les choper, les 1000 hommes, donc... Il y en a à gauche aussi. Hein. Ouais, je sais, c'est casse-bonbon. Ah, ça se passe bien chez vous là. Oui, wow. Bah c'est sûr, il y a personne en face. C'est clair. C'est, du coup, c'est plutôt serein, ouais. Et disons que le peu qu'il y a eu, on les a vite. Égorgés. Bon, oh, est-ce que ça pourrait tomber Ah oui, là il ne peut complètement plus rien face à la puissance. Desmondaine. Ouais, Desmondaine, pour l'instant, il y a Desmond. Voilà, oui, attention, il fait un siège. Hein. Attention, peut-être sur un coup de bol, ça peut tomber à moins 57. Oh bah tiens, on va prendre la première doctrine, plus 10% d'efficacité de l'infanterie. Ouais, ça c'est trop bien, ça c'est cool. Je pourrais prendre la deuxième là, mais bon, peut-être plutôt prendre technologie 8 quand même. Bon, par contre la Cassie fait n'importe quoi avec sa flotte. Ouais, faudrait juste qu'elle puisse, je ne sais pas, par exemple... nous aider à faire le siège de Londres, mais bon, faut pas trop en demander. Ah, voilà. Il a pris la bourre pour lui, l'enfoiré, je le savais. Ouais. Bah, de toute façon, moi, je vais faire le siège du sud, là, de Cornouailles, Devon, Somerset, tout ça, je vais te filer le siège après, hein. Ouais, ça marche. Que la Bretagne, elle a un... pied à terre. Pardon. Oui, c'était pas toi que je parlais, du coup, c'était au Breton. Non, non, je peux crever, toi. Tu vas prendre tout l'Est, déjà. Ouais, je pense qu'on pourra pas tout prendre à cette guerre, de toute façon, il est trop grand. Ouais, faut faire gaffe, il commence à avoir des rebelles, là, qui pop, je ne sais où. C'est insupportable. Ouais. Ah, puis c'est même pas des particuliers, c'est des partisans du prétendant. Moi, je prends que le Pays de Galles. Le reste, ça m'intéresse pas, du coup, je vais filer ça aux collègues écossais. Les cités revendiquent des anciens droits. Vous êtes bien aimable. Bon, on va aller se poser en Bourgogne, histoire de piller un peu. Oui, 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 vous savez, des anciens droits, ok. Ah, il a un peu déjà pu, le pauvre. Ah, mais le Fico a suivi, en fait, j'avais pas fait gaffe. Qui c'est qui a suivi? Les états pontifico. Oui, enfin, en même temps... Ah ouais, non, un commandant nous a quitté. Pourquoi on se fait... Ah bah les rebelles, mon boy. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, mais attends, s'ils viennent, c'est qu'ils ont un plan. Ouais, j'attends de voir. Se faire égorger, ça me paraît un bon plan. Bah rigole, on n'est pas si serein. Hein. Non, mais bon, ça va le faire quand même. Construction d'un grand palais. 10 en prestige. Ils sont cons, ces... Ouais, sont très très cons, ces gens. Attends, on est remonté en positif, en prestige. Bon, on les a pas stack-wipe en plus. Bah non, ils sont super vénères. T'as vu 9000 contre 22000 ce qu'ils nous ont mis? Ouais, j'avoue. Ah, il y a la Bourgogne et Liège qui sont en embuscade ici, je le vois. C'est quoi la capitale de la Bourgogne là maintenant? Tout ce qui s'est fait défoncer le cul. Bah probablement toujours Dijon, non? Non, c'est Namur. Pff. Cette blague. C'est pour mieux. C'est loin, c'est loin. Allez Londres, on tombe. Brûlez-moi cette Londres, bordel. J'ai plus de commandant perso, donc... Bah moi j'en ai toujours un, il vaut ce qu'il vaut, mais... La France se balade beaucoup, je trouve, elle est en guerre, non? Pas du tout. Ouais, bon bah ça... Allez, 42% pour Londres, ce serait bien. Oh, non. Voilà. 10000 états pontificaux qui se pointent là. Alors le Wessex, par contre, je vais filer les sièges donc à la Bretagne, j'ai dit. Attends, mais sérieux, la Castille est alliée avec moi, mais elle veut pas un mariage parce qu'elle a trop de relations, c'est complètement con ça. Ça n'a aucun sens, Castille. Reprends-toi, voyons. J'avoue. C'est un peu con-con. Fin du siège de Londres. Allez hop, sur Kent, on va achever. Okay. Ah parfait, allez me dessiéger la bourre là. Allez plus vite que ça, dessiéger la bourre. Ils font ce qu'ils peuvent. Comme ça je pourrais le reprendre pour moi. Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais non mais descendez, remontez pas, bande de cons. Ah c'est bien ce qui me semblait.
On va avoir le petit orteil de la Bretagne. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 4000 hommes qui sont en train de désiéger des trucs au nord là. C'est pas ça qui faisait le siège de l'OTAN là? Des marches écossaises? Je sais pas qui c'est, mais ils m'emmerdent. Si, si, c'est ceux qui essayaient de faire le siège chez moi là. Le Wessex, c'est un sacré comté, putain. Il y a tout ça. Ouais. Qu'est-ce que vous foutez sur l'Anjou, les gars? Je crois que vous avez. Voilà, parfait. Ah mais non, mais ils dessiègent le Bordelais, mais dessiégez la bourre, hein, soyez pas cons. Puis Liège, importation de fer, on oui, on importe du fer, mais con... Ouh, deux de mercantilisme. Ouh. Du fer ou du mercantilisme? Ah bah non, du mercantilisme, ça... les gars, du mercantilisme. Bon, on n'a pas de général, eux non plus. Voilà. Les troupes vont bien se démerder. À mort l'Anglois. Ah merde, mais il y a des alliés qui vont aller taper sur le... Oh bah, sur le... Voilà. Terminé, hein. L'Anglois a vécu. 41% de victoire seulement, cela dit. À l'heure actuelle, je ne peux sortir absolument personne. C'est triste. Ouais. Ah ouais, bah, je fais ce que je peux sur le continent, mais bon... Il y a des putains de forts, le bourguignon, là. Je vais arrêter de financer l'armée, perso. Ouais, j'avoue. Pareil. Oh, il y a 1000 Anglais qui ont débarqué. On va se contenter de piller les régions. Ça monte le blé du coup. Ouais. Bon, Rome, ils arrivent pas à faire le siège. Bah, c'est pas facile, Rome, en même temps. Moi, je dis ça, mais moi, je me tape. Je suis à 57% depuis des plombs, mais je me tape des épidémies en boucle. Ça me coûte une fortune, j'ai perdu mes coups de 1000 hommes, quoi. Ça fait quand même 24 000 hommes, 25 000 hommes hein, qui se baladent dans le sud de la France. Hein. Ah ouais, bah y a du monde quand même, hein. Entre les états pontificaux et la Bourgogne et tout, ils viennent de défoncer 20 000 Aragonais, hein, ça pique. Hein. Tu veux que j'essaye de faire une paix à l'heure actuelle, là? C'est quand même moche, hein. J'ai pas de... Oh non, pour l'instant, y a rien de dramatique. Hein. Voilà, on a réussi à prendre l'Auxerrois, c'est parfait. Parce que là, pour l'instant, je pourrais filer deux comtés à chacun de nous. Ah ouais, c'est pas ouf. Quoi ah, le... Trois comtés pour la Bretagne. Cornouailles, Devon, Somerset. Gwynedd et Carmarthen pour moi. Lancashire. Et Chester pour l'Écossais. Oh. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, quoi. Oui. Ah oh bah oui, on peut carrément faire mieux. Et mon nouveau duc est expansionniste, c'est cool ça. Voilà. Du coup, ça me fait de la croissance coloniale plus. Bon, je pourrais essayer de débarquer chez toi pour t'aider, mais je le sens pas avec les troupes anglaises en fait. Bah, ouais, non, ça. Je sais pas où sont ces bateaux, mais ils doivent être planqués dans un coin. Ils sont à Bordeaux, ces bateaux. Ils sont au Bordelais, ouais. Surtout que je me dis que entre Kent et Calais, ça se tente, hein. Mais... Ouais, ça se tente. Attention, il a 6 navires lourds qui sont en train de remonter là. Ouais, je sais, je. C'est pour ça que non, en fait. Je vais essayer de rester serein. Mais bon, ça y est, c'est fait. Voilà, plus d'anglais. Ah putain, mais il va prendre le bordelais, cet enfoiré. Je crois qu'il va prendre le bordelais. Je vais le laisser se démerder, peut-être qu'il changera d'avis. La Bourgogne est toujours en élevé par contre. Ouais, je vais essayer d'aller me poser sur sa capitale vite fait. Là. Le pontife aussi, c'est assez déprimant de voir ça. Le pontife, il est tranquillement en train d'assiéger Calais, mais il va se prendre une tatane de la Castille bientôt, je pense. Vas-y, Castille, là, enfoiré. C'est à moi le bordelais, j'ai une mission là-dessus. On va devoir refaire une. De refaire une guerre pour le Bordelais, quoi. Oh, il y a 3000 Despondins qui ont débarqué. Oui. Attention, il y a du navire lourd qui se pointe. Hein. L'armée de soutien Despondaise. Elle sait pas du tout où elle va, mais elle est pleine de bonne volonté. C'est déjà pas mal. T'as la vache, par contre, niveau moral, t'as pris cher, quoi. Bah, c'est parce que je les payais pas, en fait. Ah oui, effectivement. Donc, du coup, ils ont pris cher niveau moral, c'est vrai. Nous allons bientôt nous lancer dans le siège du Maine. Maine, mais c'est. C'est pas ça qu'il fallait faire. Ça se tente, hein.
Bon, moi je pense là on est bien, on peut attaquer la France. Chef, nos alliés sont arrivés. Ils ont foutu le feu à Paris. Les cons. Par erreur. Ils venaient nous aider en Bourgogne, ils se sont arrêtés, pouf pouf, une bougie renversée, c'est le drame. C'est le drame. Cette taverne en bois aussi. Hein. Par contre, tu pourrais aller foutre le feu au labour, ça m'arrangerait. Ah bah, alors, le labour il est pris déjà. Je peux rien faire avec le labour. Bah ouais, je sais, c'est chiant. En plus, il a la même couleur que l'Écosse, ça fait chier quoi. J'avoue. Ils auraient pu changer un peu le jaune quand même. Vas-y, pille, fais-toi plaisir. Bah, je vais c'est essayer d'assiéger les trucs, quoi, à côté de chez toi. Par contre, je crois qu'il est l'heure pour nous de rendre l'antenne. Effectivement, bien bien vu. Bah du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu, avec un petit peu d'action, ça change du précédent. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à aller voir la perspective de Tiberian sur sa chaîne, le lien sera dans la description. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye.